Comment être le meilleur coup de toute sa vie? Celui qu'elle n'oubliera pas et même celui qu'elle prendra en exemple auprès de ses copines quand elle racontera ses petites aventures, ses meilleures aventures sexuelles. L'idée dans cette vidéo est aussi simple qu'elle est puissante. Ici, Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, on accompagne les hommes actifs, ambitieux et accomplis pour se révéler, pour trouver l'amour et l'âme sœur. Et donc aujourd'hui, on voit dans le sexe qu'il y a un souci. Il y a soit des hommes qui baissent comme dans un porno, c'est-à-dire hyper... ils sont dans la recherche de la performance, pas vraiment assez dans l'écoute de leur partenaire, ils n'ont que à l'esprit d'essayer de reproduire le truc le plus chaud possible, donc ça c'est de la baise, hein. Et au contraire, il y a des mecs qui sont trop romantiques, trop fleurs bleues, qui ne savent faire que ça en fait, qui n'aiment pas justement le côté animal du sexe et qui se laissent un peu, qui se reposent sur leur laurier et qui font deux positions. Le samedi soir, c'est la fête, ils en tentent une troisième à la limite. Mais bon, voilà, ça reste très plat, très tout le temps pareil. Ou peut-être que parfois, ils pêchent par sur-respect, c'est-à-dire qu'ils pensent que ce serait irrespectueux de baiser une femme, de la soulever, de la poser sur une table et de la prendre. Et finalement, non. Nous, ce qu'on veut, c'est un mélange des deux. Alors, la solution, c'est très simple. Bah, c'est de mélanger les deux. Alors, ça veut pas dire de faire 50% de baise et 50% de romance fleur bleue à l'intérieur de chaque rapport. Ça veut dire, selon l'humeur, selon l'ambiance, selon le feeling du moment, et bah, ça peut être soit un rapport 100% à la porno, ça peut être soit l'inverse, ça peut être extrêmement romantique et tendre et avec limite la larme qui va couler sur la joue, ou ça peut être un mélange des deux dans des proportions qui seront difficiles à prévoir d'avance au sein d'un même rapport. En fait, la clé, le secret, c'est juste d'alterner et de savoir connecter avec aussi l'envie de sa partenaire, voir selon le feu de l'action, si elle a envie d'un truc un peu énergique. Ou si vous êtes plus tous les deux dans un mood romantique. Et donc voilà, il faut alterner, il faut la faire rêver, il faut mettre de la dynamique dans tout ça. Et cette clé de combiner les deux, l'aspect un peu cul et un peu romantique, eh ben on l'appelle romanticu. Et si tu aimes cette vidéo, eh ben, pas à liker. Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Un pouce en l'air. Abonne-toi aussi pour les vidéos suivantes et clique sur la cloche pour être averti. Et si tu veux aller plus loin avec Paola et moi, sache que je propose un rapport gratuit, un PDF à télécharger dans la description sous la vidéo. Ça s'appelle les 4 compétences clés et ça va t'aider grandement. Et si tu veux encore aller plus loin après la lecture de ce PDF ou même avant, tu peux nous envoyer un message sur paola@institutmorningkiss.com pour nous décrire ta situation personnelle. On pourrait en discuter ensemble et te proposer un diagnostic personnalisé et un plan d'action pour t'aider à reprendre en main ta vie amoureuse et dépasser ta timidité et tes blocages devant des situations de séduction. À bientôt. Au revoir.